voilà, comme si le micro. Attention, on y va. La même chose. Silence demandé, ça tourne. Action. On a reçu un deuxième appel, mais cette fois-ci, la voix était plus grave. Ça foutait la trouille quand même. Bon, au début, j'ai cru que c'était Maurice qui faisait le con, mais comme il était devant moi à la machine à café... Personne n'aurait pu imaginer le terrible drame qui allait secouer cette bourgade tranquille. Comme la triste nouvelle de vous annoncer le décès de votre femme Nadège Boulet, a fortiori. Et nous avons trouvé un mari éploré. Ah, ça c'est sûr, il pleurait. Lorsqu'un corps reçoit une balle dans le dos, il a plutôt tendance à tomber en avant et à se retrouver allongé sur le ventre plutôt que sur le dos. Bon, bah, accident ou pas, lorsqu'il y a un décès violent et brutal, on s'intéresse immédiatement au mari. C'était un mari violent. On peut pas dire ça, mais bon, c'est vrai qu'elle est revenue une fois ou deux avec la joue un peu rouge ou l'œil un peu violet. Ah, le mulet n'avait jamais raté une lettre de la chasse, hein. Ah ça non. Puis je peux vous le dire, il était tout le temps fourré, hein. La manière dont le parquet s'est servi de ce document audiovisuel pour détourner les faits, c'est honteux! Je ne suis pas Dupont-Ligonnès, je suis Christophe Onduet! Oh, c'est bien vous, à si fortiori! Je suis présentateur télé! Vous êtes en état d'arrestation, monsieur, à fortiori! C'était un simple accident de chasse, sans rapport aucun avec l'affaire Nadège Boulet! Allez, fermez vos gueules, portez pas vous! Oh, il a cassé la gueule, ces petits cons, moi! Et vous allez la mettre en vidéo, Louis! Oui, arrête! Moi, j'en ai cassé du moche en 46, en 47, et en 49! La vérité, c'est que Gérard Boulet, il avait une haine terrible envers mon mari. Et ça, il lui a fait payer. C'est cela qui a fait avancer l'enquête. Ma sœur avait participé à une émission de télé 2 mois avant sa disparition. Qui a écrit les lettres de Montmoulin? Montmoulin. Et elle avait gagné 25 000 euros. Et 3 jambes. Marine Gomez, veuillez me suivre, mais vous êtes en état d'arrestation. Mais pourquoi? Elle repart quand même avec 25 000 euros et 3 jambons. Coupé, c'est la bonne. Ouais. Qui veut gagner les dés? Jambon. A fortiori. A fortiori.